Bonjour, voici une courte présentation de l'application BDNF. BDNF est une application de la Bibliothèque nationale de France pour faire des bandes dessinées. On la trouve sur l'App Store et sur le Play Store. Quand vous arrivez dans l'application, vous pouvez la paramétrer en anglais ou en français. Pour créer un nouveau projet de bande dessinée, cliquez sur Nouveau projet. Vous pouvez choisir le format. Il y en a 5 de différents disponibles dans l'application. Pour le concours de bande dessinée des Alliances françaises d'Inde, c'est le format Comic Strip 3 cases que nous avons choisi. Donnez un nom au projet. Créer. Voici les différentes cases. Vous pouvez importer des images, soit à partir de vos propres images, vos photos, des dessins que vous avez faits, ce que vous voulez, soit à partir des images proposées dans l'application. Des éléments pour fabriquer des bulles, essentiels en bande dessinée. Des décors, un personnage féminin avec différentes émotions, des fonds, un personnage masculin avec différentes émotions, des idéogrammes, des éléments sortis de planches de la Bibliothèque nationale de France, des personnages historiques, des onomatopées. Et encore des accessoires. Pour importer ces images, cliquez dessus. Vous pouvez en sélectionner plusieurs à chaque fois. Importer. Pour les assembler, vous les placez là. Vous pouvez réduire la taille ou l'agrandir. Vous pouvez également utiliser la fonction de miroir pour retourner le texte ainsi. Utilisez reculer ou avancer pour mettre votre image soit à l'arrière-plan, soit au premier plan, comme ceci. Si vous voulez ajouter du texte, cliquez sur T et Ajouter. Tapez votre texte. Vous pouvez choisir la police, la taille, l'alignement et la couleur. Le texte de BD doit être dans une bulle. Il vous faut donc placer une bulle. Si vous n'en avez pas prise, retournez sur Importer. Récupérer une bulle. Il lui faut pour qu'on sache qui parle. Et voilà, ce n'est pas très difficile.
Pour enregistrer votre projet, cliquez ici. Pour l'exporter, vous pouvez le faire soit au format image, soit au format PDF. Vous pouvez retourner sur vos autres projets. Voilà ce que peut donner un projet presque terminé. Il me manque un personnage féminin. Je retourne le chercher. Et voilà, situation initiale, développement, situation finale. J'enregistre et je peux exporter. C'est simple, non ?